Passez une bonne journée. Oui. Bon, qu'est-ce qui te chicote, mon amour, là? Ben, mes étudiants ont un récital ce soir. Faut que j'y présente devant toute la faculté de musique. J'ai rien à mettre sur le dos. Attention! Simon! Bon, qu'est-ce qui se passe encore, là? C'est elle qui a commencé! Qu'est-ce que Simon a encore fait? C'est full écœurant. Il est allé sur l'ordinateur, là, il a été dans mes fichiers, puis il a changé mes textes de gamine. Une chance qu'Annabelle les a relus, en sens ça, je passais pour une imbécile. Bon, qu'est-ce qui a changé, là? Ben, dans le courrier du cœur, là, j'expliquais qu'il faut jamais embrasser un gars la première sortie. Ben, lui, là, l'innocent, il a écrit qu'il faut s'embrasser la première fois. Hé, hey, la première fois, tu te rends compte? Imagine si ce texte-là avait été imprimé, pour qui je serais passée? Hmm? C'est pas bien brillant, ça, là. Hmm. C'est vrai, c'est pas brillant. C'est génial! Hey, puis il a pris mon cellulaire, il a appelé la météo, puis il l'a laissé ouvert. Hey, ça, là, ça dépense des minutes. Tu sais, ça met la pile à plat, puis j'ai 4 appels raccrochés! Ah oui? Entre, Thomas. Hey, salut tout le monde! Hey, salut, Tom! Puis, prêt pour une partie de Nine? Automatique, j'ai les pouces de Schwarzenegger aujourd'hui. Ouais, mais chouette truc, machin, va devoir attendre, là, parce qu'on a à parler en famille. Ah. Ben là, papa, Thomas est ici, on le fera pas attendre des heures. Mais là, tu l'as bien attendu 3 mois pendant qu'il était en France. Il est capable d'attendre 5 minutes, hein? Va en cuisine, prends-toi un bon verre de jus, là, ça sera pas long. D'accord. Bon, qu'est-ce que je disais, donc? Ah oui, à part de ça, Marianne? Puis à part ça, là, il est allé dans ma chambre, là, il a mis tout à l'envers pour trouver des photos. Ça, là, c'est pas vrai. J'ai pas mis sa chambre à l'envers. Puis à part de ça, ces photos-là, j'en ai besoin pour un oral en morale. Tu sais, il faut présenter un membre de sa famille. Puis c'est pour demain. Puis elle, là, l'épaisse... Ben, elle veut pas m'y prêter. Bon, bon, Simon, là, ça vaut pour toi aussi, Marianne, là. Vous arriverez jamais à faire la paix si vous continuez à vous insulter. Ouais, OK. Ouais, ben, c'est mon gentil petit frère adoré qui a fait exprès de me mettre mauvaisement quand il a mis ma chambre à l'envers. Simon, là, laisse finir, Marianne, t'auras ton tour après. Je suis tellement certain qu'elle va raconter ça à son avantage que je pourrais le raconter moi-même. J'étais tranquille dans ma chambre à faire du ménage. Oui, qu'est-ce que c'est? Marianne, je veux des photos de toi. C'est pas que je vais te voir à la face, là, c'est parce que je suis obligée. Puis je veux pas tes vieilles photos, hein, je veux tes plus récentes. Oui, bien sûr, mon beau Simon adoré. Et ces photos, tu les veux quand? Tout de suite. Ah ouais, grouille, ça presse. Oui, bien sûr. Attends juste un petit instant. Oui, parce que je vais aller au salon chercher mes dernières photos parues dans Gamine. Je reviens tout de suite. Marianne, est-ce que c'est toi qui m'aurais emprunté mes boucles d'oreilles en forme de fleurs? C'est que j'aimerais ça les porter avec cette jupe-là. Tu veux mettre cette jupe-là? Hey, tu vas avoir l'air d'un clown. T'es complètement dépassée, la belle-mère. Comme t'es méchant avec Victoria qui se dévoue tellement pour nous. Hey, toi, laisse faire tes commentaires. Pis qu'est-ce que t'attends pour aller me chercher mes photos? Ah ouais, des guédines! Maman qui est allée chercher des photos, ben je suis restée dans la chambre. Tout à coup, j'ai vu une enveloppe brune sur laquelle était écrit « photo ». Ben, je l'ai ouverte, puis je me suis mis à regarder les photos. Mais Simon! Mais pourquoi as-tu fait ça? Mais Simon, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je disais? Quand j'ai vu le dégât qu'il avait fait dans ma chambre, ben... j'ai décidé de pas y prêter mes photos. Mais là, t'as rendu compte que tu peux nuire aux résultats scolaires de ton frère? Mais c'est juste un oral en morale. C'est un formatif ou un sommatif? Un formatif. Ça compte même pas dans le bulletin. C'est quoi cette mentalité-là? Quand on a un travail, on essaie toujours de le faire le mieux possible. Pis, là, ce sont mes photos, hein? Fait que c'est moi qui décide si j'y prête ou pas. Claude, viendrais-tu voir une vidéo? Oui, oui, j'arrive. Bon, ben moi, là, je vais en profiter pour aller refaire le ménage de ma chambre.
Non, Simon, tu viens avec moi. Mais là, papa, Thomas est dans la cuisine. J'ai dit, tu viens avec moi, je vais avoir ta version. Puis, est-ce que tu trouves ça correct? Ah, c'est beau, là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je te jure, Magali, là, c'est la plus belle affiche que j'ai jamais eue. Tu trouves? Parce que j'ai juste mis ta photo puis j'ai fait un peu de mise en page, là. Ben, c'est sûr que ça aurait été bien mieux si... Si quoi? Ben, si à la place de ma photo, on avait mis la tienne. T'es bien plus belle que moi. Oh. T'es la plus belle femme que j'ai jamais vue en personne. Plus que ça, t'es la plus belle femme au monde. Oh, Max, quand tu me dis ça, ça me fait frissonner. Oh. Oui. Oh! Thomas, ça va? Ah, ben là, je pense pas que je saigne, là. Viens, là. Ah. Donc, comment t'as fait tomber? T'es-tu enfargé dans tes lancettes bottines? Ben, je voulais voir l'affiche que Magali a faite. Fait que, ben, je me suis avancé, là, puis, ben... Depuis combien de temps t'étais là? Tu nous espionnais. Ah, non! Mais tu sais, je suis pas vraiment un James Bond 007, là. Ben, tu sais, je voulais juste voir. Voir? Tu vois, Thomas, s'il y a quelque chose que je déteste, c'est les yeux qui regardent ce qu'on peut faire. Tu connais pas ça, toi, la discrétion? Ah, ben oui, là. Ben, la prochaine fois, tu y repenseras deux fois, OK? Hey, Max, je suis désolée, là. Penses-tu que Magali va m'en vouloir longtemps? Magali, non, non. Dans deux minutes, elle va avoir tout oublié ça. OK. Mais moi, je te le pardonnerai jamais. Hein? Max, je m'excuse, là. Je voulais pas le... Voyons, c'est une blague! Qu'est-ce que t'en dis? Ah, mais je dirais... Je dirais que t'es belle dans n'importe quel vêtement, toi. Flatteur. Non, mais pour le récital, est-ce que ça irait? Ben, je sais pas. Moi, c'est un récital devant la chambre de commerce. C'est trop strict, hein? Mm. Bon, je vais aller voir si ma robe est sèche. Oh, Simon, avec son équipement de hockey, ça va barder. Regarde ce qu'elle m'a fait. Elle a fait la pire affaire qu'on peut faire à un gars. Elle a saboté ma carrière de hockey. Mais voyons, c'est tout mouillé, ça. Ouais. Madame, ma très gentille sœur qui ne fait jamais rien, a mis tout mon équipement de hockey au lavage. Puis là, j'ai une partie ce soir, là, je pourrais jamais jouer avec l'équipement mouillé. Alors, peut-être qu'elle savait pas que t'avais une partie. Oui, elle savait. Ah oui, parce que toi, t'es capable de lire dans la tête de Marianne. Tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est pas. Toujours pareil, hein? Tu prends toujours pour elle. Non, 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 ça c'est pas vrai. Là, je dis juste quand on pense que l'autre a des mauvaises intentions, c'est difficile de se réconcilier. À part de ça, tu pourrais emprunter un équipement? Je joue mal quand j'ai pas mon équipement. Ben voyons, t'as déjà joué avec l'équipement emprunté. Là, ça excuse pas que t'aies mis sa chambre en désordre. Je vais te conter ce qui s'est passé pour vrai. Marianne, je sais que t'es là. Peux-tu m'ouvrir, s'il te plaît? Tu sais que tu veux encore, le fatiguant? Ben, Marianne Amour, s'il te plaît, tu serais super fine, super gentille si tu veux me prêter des photos de toi. C'est pour un travail d'école. Tu sais, je te trouve tellement intéressante que c'est toi que j'ai choisi. Hey, j'ai pas le temps, là, je t'ai coupé. Ben, ça peut attendre. Tu me les donneras plus tard, quand tu voudras, hein? Non, reste pas, là, mon gali. Sinon, t'arrêteras pas de m'achaler. Hey, dans la cabine, là, dans le salon, on a des super bonnes sur moi. OK, je peux aller les chercher. Non, mais... non, je crois, là. On va y aller, on va aller me chercher un morceau de gâteau. Marianne, est-ce que c'est toi qui aurais mis les boucles d'oreilles en forme de fleurs? Parce que j'aimerais ça les porter avec cette jupe-là. Tu vas mettre cette jupe-là. Mais quoi, elle est pas correcte? Je crois que Marianne la trouve un peu trop colorée. Mais pourquoi tu mets pas ta belle robe noire qui va si bien, hein? Le noir, voyons, c'était passé, là. Comme tout le reste de ton linge, d'ailleurs. Comme t'es bête avec Victoria. Hey! Toi, si tu veux tes photos, là, t'es mieux de prendre ton trou. Pendant qu'elle est allée chercher des photos, ben, je suis restée dans la chambre. Tout à coup, j'ai vu une enveloppe brune sur laquelle était écrit « photo ». Je l'ai ouverte, puis je me suis mis à regarder les photos.
puis quand elle est revenue, elle a commencé à dire que j'avais fait plein de désordres en fouillant dans ses affaires, que j'avais pas d'allure puis qu'elle me prêterait pas de photos. Puis toi, t'as fait aucun désordre? Pas du tout. Presque pas, là. Juste un petit peu, j'ai peut-être fait tomber une pile de magazines. Presque pas. Mais tu me crois au moins? Mais tu sais, là, que l'histoire de Marianne, ça n'a pas d'allure. Ben, dans le genre pas d'allure, la tienne n'est pas pire non plus. Papa! Je vais penser à tout ça, là. En attendant, là, trouve ton équipement de hockey. Ouais, c'est vrai. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, en plus, il faut que je téléphone à M. Mongeau. C'est une journée fantastique, hein? Mais Max, comment tu fais pour dire ce que tu penses à Magali? Tu sais, t'es super bon pour dire ce que tu ressens. T'as essayé ça. J'ouvre la bouche, puis les mots sortent tout seuls. Mais oui, tu sais. Moi, quand je veux parler à la fille qui m'intéresse, là, je veux dire à une fille, là, ben, pas qu'il y en ait une en particulier, ben oui, là, mais non, mais en tout cas, c'est pas automatique comme toi. Ben, je sais pas, moi. Je fais comme d'un film. Je les ai toutes vues, là, les films avec Freddie Prinze Jr., mais quand je viens me faire comme lui, là, ben, je fiche devant Jennifer Love Hewitt. Ah, tu veux sortir avec une Anglaise? Mais non, mais je suis sorti avec... t'as connais pas? Mais ce qu'il faut, Thomas, là, faut que tu t'exerces avec une fille. Mais le plus facile, là, c'est de le faire avec une fille qui t'intéresse pas vraiment. Attends, pourquoi tu t'exercerais pas avec, je sais pas, moi, Célina? Ben non, pas avec elle. Ben, je veux dire, pas avec une fille, là. Ben, pas avec un gars non plus, mais... Ben, Marc, pourquoi pas? Tiens, essaye avec moi. Avec toi? Ben oui, quoi? Aimes-tu mieux t'exercer avec la lasagne? Oh, là, ma lasagne! Quand je vois ta sauce si rouge et ton fromage un petit peu brûlé sur le dessus, là, je ne peux pas résister. Je t'aime! Ben non, bon, ben ouais. OK. Dis-moi ce que tu dirais à celle qui t'intéresse. Ah ouais, go, vas-y. OK, tes cheveux sont beaux. J'aime ça quand je suis avec toi. Je pense souvent à toi. Oui, c'est bon, mais imagine que c'est elle. T'sais, dis-moi des choses un peu plus personnelles, là. Dis-moi comment tu me trouves. OK. Je te trouve intelligente. Ton sourire est vraiment chaleureux. Quand tu souris, ça me fait fondre. Oh. Ben, continuez! Ben non, gênez-vous pas pour moi, là. C'est beau de vous voir. Mais là... On est peut-être mieux de pratiquer avec une vraie fille. Automatique. Ouh! C'est parfait. C'est pas trop... sexy. Hein? Non, voyons, on n'est jamais trop sexy. Ah! Hey, Marianne! Qu'est-ce que tu dirais de venir avec moi ce soir, voir mes étudiants en musique? Oh, c'est moi puis le classique, là. Ah, non, il y a pas juste du classique, là. Non, il y a du jazz, du pop. Ça me ferait du bien de sortir de la maison, ça taillerait les esprits. Ouais, c'est une bonne idée. Non, c'est vrai que ça me ferait du bien. Ah. Ouais, mais quand je vais revenir, là, il va être encore ici. Ah, Simon. Oui, Simon, il est toujours ici. Hein, tu pourrais pas l'envoyer une fois de temps en temps chez ton ex avec Manolo pis Céline? Il me semble que je pourrais respirer un peu. Non, mais il est fatigant, là. Il m'énerve. Bon, c'est pas méchant. C'est sa façon à lui d'entrer en relation. C'est débile. Oh. Oui, allô? Charles? Salut, ça va? Oui, non, c'est parce que je suis pas prête, là, pour... Ah, oh, OK. Mais en ami, là. Ce soir... non, c'est parce que j'avais quelque chose déjà de prévu avec ma belle-mère. Oh, non, c'est correct. Ben, non, je pense que ça pourrait s'arranger. Ouais. Ah ouais, là, t'es capable, là. Il faut que tu t'exerces avec une vraie fille. Ouais, vas-y, vas-y. Go, go, go! Magali, j'espère que tu m'en veux pas trop pour tantôt, hein? Non, c'est oublié. Je pense que j'ai même réagi un peu fort. Okay. Ben, tu sais, je suis content que tu sois pas fâché contre moi, hein, parce que... je te trouve belle. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct, là? Ben, rien, là. C'est seulement la surprise, puis... Je vois pas vraiment le rapport, non plus. Ben, il y en a pas. C'est juste que... Tu sais, je voulais te dire, là, ça fait longtemps. Je te trouve vraiment très jolie. Ben, merci. Ben, tu sais, toi, t'es comme une beauté naturelle. Tu t'arranges pas vraiment, puis t'es toujours resplendissante.
Resplendissante. Ben oui, tu sais, t'es comme un soleil. Tu dégages de la lumière. Toi, Thomas, là, t'as quel âge? Hein? Le même âge que ton frère Simon, là. Oh, c'est plate. T'es bien trop jeune. Comment je vais faire pour t'attendre? Hein? M'attendre pourquoi? Ben, tu sais tellement bien parler aux femmes. Moi, quand on parle comme ça, je perds la tête. Je pense même que je vais casser avec Max. Quoi? Quoi? Tu veux casser? Oui. Parce que j'aime pas ça quand tu me joues des tours puis quand tu demandes aux autres de me raconter des histoires. Non, non, mais attends un peu, là. Non, je t'ai pas joué de tours, là. C'est juste que... c'est vrai qu'il te trouve belle, hein, Thomas? Ouais, mais trop vieille. Ah! Moi, trop vieille. Mais j'ai un teint de poupon. Mais non, Magali, mais attends, là, laisse-nous t'expliquer, là. C'est que... Ah, c'est correct! J'ai compris. C'est qui la chanceuse qui fait battre ton cœur? Installe le jeu vidéo, Thomas, ça sera pas long. Oh, des photos de famille! Ouais, faut que je trouve des photos de Marianne. T'sais, j'aurais préféré des récentes, mais je vais être obligé de prendre les vieilles. C'est pour ton porte-monnaie? Alors, c'est pour un travail d'école. Faut que je présente un membre de ma famille, là. Même si des fois, j'aimerais ça que Marianne soit dans une autre famille. Oh, regarde comme elle est belle, toi puis Marianne dans le bain ensemble. Es-tu folle? Je montrerai jamais ça à l'école. Hey. Ouais. Oh non! Oh, elle est mignonne. Tu pleures puis Marianne essaie de te consoler en prêtant son tout préféré. Oh. Ouais. Je veux des photos où elle est toute seule. Ouais, mais là, les photos avec Marianne sont pas mal toujours avec toi, hein? Ben, je vois bien ça. Mais c'est normal. Plus jeune, vous étiez inséparables. Vous étiez tout le temps ensemble. Même que t'allais la rejoindre pour dormir avec elle. Tu me niaises, là? Je te jure! Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi elle veut plus rien savoir de moi? Mais là, Marianne est ado. Elle essaie de couper avec tout ce qui lui rappelle son enfance. En tout cas, c'est ordinaire. C'est comme ça. C'est important de dire exactement. Thomas, ça sera pas long, hein. J'ai juste quelques photos à trouver. Puis là, des photos. Hey, ça, c'est génial, mon gars. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Thomas, viens-t'en, viens-t'en. Mais là. En tout cas, penses-tu que. Ben, penses-tu que ça va revenir entre Marianne et moi? Ben, ça prend de la patience, là. Mais ça peut être encore plus long s'il y a personne qui se décide à faire les premiers pas dans votre chicane. En tout cas, là, ça sera pas moi. Hey. Bon, t'as bien compris ce que je t'ai expliqué. Ouais. OK, c'est parti. Tes yeux sont beaux. Oui, c'est bon, là, mais essaye d'être un peu plus poétique. Genre, tes yeux sont beaux comme la mer. Ah, OK. Prochain. Tes oreilles sont comme des coquillages et ta voix me berce comme les vagues de l'océan. Ah, mon Dieu! As-tu pris tes vacances en Gaspésie? OK, prochain. Ton regard est si pétillant. Ah, j'aime ça. Ton sourire me séduit. Bon, tu vois, continue. Tes cheveux sont comme les champs de blé. Hey. Qu'est-ce que vous faites, là? Eh bien, je suis en train de conditionner Thomas. Mais tu sais, comme les chiens de Patoff, là, j'y montre la photo d'une fille, puis il faut qu'il lui fasse un compliment. Ouais. Automatique. OK, je vois. Mais l'expérience sur le conditionnement, c'est les chiens de Pavlov. C'est ça que j'ai. Pavlov, Toff, en tout cas. Bon, t'es prête? Go. T'es fine. Ouais. Tu sens bon? Ah oui, tu vois ça à partir d'une photo, toi. C'est vrai que ça sent bon, hein? Ah, tu sais, il y a un échantillon de parfum sur l'autre page. Ah ouais. C'est beau ce que tu portes, c'est nouveau? J'aime ça, ça, j'aime ça. Ouais? Okay. Tu me comprends tellement bien. Oui. C'est exactement ça. Tu comprends? C'est ça qu'une fille veut entendre. Okay. Thomas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es prêt, mon gars. Yes! T'es prêt. Là, tu vas aller voir celle que t'aimes, là, OK? Ouais, vas-y, ouais. Go! Je pense à ça, je peux pas aller la rejoindre et pas chez son père aujourd'hui. Ah, ben pourquoi tu montais au deuxième? Pour aller dire à Simon que je partais, hein? C'est parce qu'il est dans la cuisine? Ah, ben oui, ben... c'était pour... fallait que j'aille chercher quelque chose en haut, dans sa chambre. Ah, OK, c'est beau. Marianne, je pense à ça, là. J'ai peut-être trouvé le moyen de récupérer tes versions originales de tes textes de gamine. Oh non, merci, papa, t'es gentil, là, mais... j'aime mieux les lire au complet plus arrangés. C'est quoi ça, Marianne? Je connais pas ce fichier-là. On dirait l'oral de Simon. Je me demande quelle niaiserie il dit sur moi. Non, attends, il dit... Marianne est jolie...
pleine d'idées originales. Elle s'y connaît bien en mode. Ah, là, c'est tout le temps la même affaire, là. Marianne, la fille mignonne en mode. Là, autant dire la blonde stupide et superficielle. Non, attends, gars, c'est écrit ici, là. Marianne ne se décourage jamais devant les problèmes, hein? Quand plus personne ne sait quoi faire, Marianne trouve toujours la solution. Je sais qu'elle veut pas en avoir l'air, mais moi, je pense que Marianne est très intelligente. Intelligente? Ouais. Tu peux pas qu'elle écrit ça. Ah oui, avec une vingtaine de fautes, c'est lui, certain. Ouais. Ce que j'aime de Marianne, c'est qu'elle est drôle et qu'elle rit bien. Il y a des filles qui ont des rires énervants, mais pas elle. Ouais. Ma sœur Marianne a hérité de la bonne humeur de ma mère, et c'est pour ça que je l'aime. Mais pourquoi il me dit jamais ces affaires-là? Puis toi, est-ce que tu lui dis ce que tu ressens? Ben oui, là, je dis souvent qu'il m'énerve. Marianne... Là, je pourrais faire mieux s'il passait pas son temps à m'agacer. Ben là, c'est peut-être le bon moment, là, tu pourrais aller lui parler. Non, là, y en est pas question. Non, je veux pas faire les premiers pas, là. C'est vrai, c'est toujours moi qui fais les premiers pas. C'est toujours moi qui plie, là, je suis tannée. Marianne, c'est toi la plus vieille. Sois raisonnable. Non, je suis tannée d'être raisonnable, de tout comprendre. Hein? Je l'aime, mon frère, là, mais depuis qu'il est jeune, on dit que je suis plus vieille, puis il faut que je comprenne. Mais là, je suis tannée, là, j'en peux plus. Hein? Lui aussi, il pourrait comprendre des fois. Non, Sébastien, j'étais pas au téléphone tout l'après-midi, là. C'est juste qu'il était resté ouvert. Comme ça, t'as essayé de m'appeler? Ce soir? Non, je peux pas, c'est dommage. Mais peut-être une autre fois? OK, on se rappelle. Bye! Je suis content que ton cellulaire fonctionne. Ouais, une fois chargé, il va bien. Monsieur Mongeau a appelé un magasin de sport, puis je vais pouvoir essayer un nouvel équipement super léger, puis ça me coûtera rien. Comme ça, tu vas pouvoir faire ton sakukoïvu. Tu connais Sakukoïvu? Ouais. Quand on a un frère malade de hockey, là, on finit par s'y intéresser un peu. Tiens, ça, c'est des photos de moi. Ben, si t'en as encore besoin. Oui, merci. Tiens, pendant que vous êtes là tous les deux, là, j'aurais deux mots à vous dire. Ah, papa, là, pas encore un sermon, là, t'es fatiguant. Ça, c'est une réponse à la Marianne, comme je les aime. Il y a juste elle qui peut dire ça. J'ai repensé à votre chicane, là, et j'ai décidé que tous les deux, vous aviez tort, et tous les deux, vous allez vous excuser. Mais de quoi tu parles? Quelle chicane? Hey, Thomas, est-ce qu'on la joue, cette partie de jeu vidéo-là? Ah, j'ai plus le temps, faut que j'aille souper. Oh, OK. On se verra à game de hockey. Ouais, automatique. Bye. Bon, ben moi, je pars tout de suite pour l'université. Je vais arriver un petit peu d'avance, hein, pour parler à mes étudiants. Ils sont tellement nerveux avant un récital. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Pas correct? Mais là, dis-tu quelque chose, quelqu'un? Madame Laporte l'Espérance Carpentier, vous êtes belle comme la mer. Vous êtes plus belle que la petite sirène. Vous êtes aussi le fun qu'un voyage en Gaspésie. Quand je vous vois, j'ai chaud, j'ai froid et j'ai du sable dans mes souliers. Ouais, j'aurais jamais dû le laisser tout seul avec Max. Oh, merci!